sur le dessin bouton droit de la souris pour que le menu déroulant et activer la configuration de commande. Sur la modélisation 3D dans la boîte de dialogue de configuration pour définir les paramètres de ligne de mire 3D. Sur l'écran, dans une boîte de dialogue, sélectionnez l'interface Crosshair éléments couleur pour spécifier la couleur et les teintes. Lorsque cet échantillon est vu changer,